Tonami, Talamba, Esimam, Loma, Tommy Young, Dumble. But Tommy Young Baka, Tommy Timbe, Summer Yan Yaki Fabum, Emmany Young Yabe. My Lord. Je sais pas, la chanson si me donne la chair de poule. Je te dis, la chanson si me donne la chair de poule. Je n'ai jamais écouté la chanson si. Ouais, ça c'est un très très grand chanteur gabonais, vraiment. Je n'ai jamais
écouter cette chanson de ma vie. C'est la première fois que je l'écoute. J'ai même envie de pleurer là. Donc, attends, d'abord, je me calme. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Ouais. En écoutant ça, ça me rappelle vraiment les chansons de mon enfance. Il y a chez nous, on a au Cameroun, on a ce, je pense que c'était le directeur de la chaîne télévision CRTV. Il était Dr Mendoza. Je pense que lui, il est aussi fan, je pense. Mm-hmm. Et il a fait beaucoup de compositions de musique chrétienne, mais ça a le même feeling. Dans d'accord, genre, je vois. J'écoute ça, ça me ramène dans l'enfance. J'ai la chair de poule là. Ouais. Souvenir, genre. Quoi. Ouais. Ah, anyway. Bon, bienvenue à tout le monde. Si c'est la première fois que nous vous écoutez, ici c'est The Life Jog ou The Life Journey of Growth. Pourquoi c'est en anglais? Parce que bon, mon épouse et moi, quand on a commencé ces chaînes, on a commencé en anglais. Mais avec le temps, on a transitionné dans la communauté francophone. Donc, The Journey of Growth veut dire notre parcours de vie, de croissance. Parce qu'on croit au fait au développement personnel, nous croyons à la croissance et nous croyons aussi au fait que si on investit à nous, nos enfants et ceux qui viennent après nous vont hériter d'une meilleure version de nous et eux aussi vont faire la même chose de retour. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à travers ces chaînes? On partage nos parcours de vie, nos échecs, nos succès pour que ceux qui viennent après nous tirent des leçons. Et dans le même cheminement, qu'est-ce qu'on a aussi fait? On a aussi commencé un petit projet où on a dit, nous sommes que 2 personnes sur 8 milliards de personnes. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'invite pas d'autres personnes de la communauté, d'autres personnes autour de nous pour partager leur parcours, pour partager leurs connaissances, pour partager leur sagesse, pour que encore ceux qui viennent après nous puissent en tirer des leçons et avoir une meilleure vision de qu'est-ce qu'ils veulent accomplir et les obstacles devant eux, les choses à apprendre, et puis eux ici vont aller plus loin, plus vite que nous. Donc, ça, c'est l'introduction. Donc, pour ceux qui sont là pour la première fois, je vous invite de vous abonner. Aujourd'hui, on a une femme très spéciale, extraordinaire. Elle va nous partager son parcours, ses motivations, ses ambitions. Mais je vous dis aussi, auparavant, on a eu d'autres entrevues comme ceci. Attends, j'enlève là parce qu'il faut que tout le monde voie un peu ceci. On a des entrevues chaque vendredi, chaque samedi à 7h, heure de France. Okay? Pour ceux qui sont au Canada, c'est à 12h30 ou 13h. On a des entrevues chaque samedi et on invite des personnes qui font des choses exceptionnelles, excellentes, pour partager leur parcours pour que vous puissiez en tirer des leçons. Donc, ça, ce n'est pas la seule entrevue qu'on a sur la chaîne. On en a peut-être une vingtaine, une trentaine déjà qui s'est déjà passée. On en a une 70aine qui vient dans l'année. Donc, honnêtement, il y en a beaucoup de personnes d'entrevue. Il y a beaucoup de leçons à tirer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre à travers ces vies. Je vous conseille de vous abonner et d'aller visiter chaque épisode pour pouvoir en tirer des leçons. Ici, on prône le partage de la connaissance parce que nous, on croit que dans la connaissance, on tire beaucoup de leçons et on peut aller plus loin et plus vite. Bon, ça, c'était l'introduction. Maintenant, je vais saluer tout le monde qui est dans le live. Bonsoir, Bantouzik. Bonsoir, Nafiange. Bonsoir, Elka Etude, bonsoir. Aya Mimi, merci beaucoup pour le don. Bonsoir. Fatou Gassama, bonsoir. Yaï Tagua, Mbolani à tous. Mbolani. Mbolo, Mbolani. Mbolo et Mbolani, c'est la même chose. Mbolo, c'est au singulier. Mbolani, c'est quand il y a plusieurs personnes. J'apprends quelque chose aujourd'hui. Mbolani, Yaï Tagua. OK, Peuple Divine, bonsoir. Il dit Pierre Clavier Zeng, le haut niveau de la musique gabonaise. Ouais. Et on a notre frère Henri Vincent est dans la salle. Henri Vincent, je vous conseille tout le monde d'aller visiter l'interview de la semaine passée. On a eu l'interview avec Henri Vincent, très puissant aussi. Donc, je vous dis, au Gabon, il y a trop de cerveaux, hein, pour vous dire d'abord ça. Il y a trop de cerveaux là-bas au Gabon. Mince! Wow. Pour un petit pays, non, 2 millions seulement de personnes. Mais vous êtes partout alors. Vos cerveaux là sont partout. Anyway. Merci beaucoup. Bienvenue Nathalie. Comment tu vas? Ça va et toi? Bonsoir à tout le monde.
Merci, merci, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation de nous rejoindre aujourd'hui. C'est une sœur qui nous a conseillé de checker. Elle m'a dit, il y a une femme là qui fait des choses. Elle est ingénieure. Elle a une marque de cheveux. Elle écrit des livres. Elle est dynamique. Va vérifier, tu vois. Dès que je suis arrivé le premier, j'ai seulement indiqué, yeah. Si quelqu'un peut faire tout ça, si quelqu'un peut faire tout ça dans toi, comment tu fais? Comment tu as fait? C'est où est-ce que tu as commencé, s'il te plaît? Alors, ça, c'est une très, très grande question qui mérite beaucoup de temps pour répondre. Mais bon, déjà, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Nathalie Avomo-Essono. Je suis gabonaise. Je suis née au Gabon. J'ai grandi au Gabon. J'y ai vécu jusqu'en terminale où j'ai eu mon bac. J'ai un bac C. C'est un bac, bah, comme au Cameroun, je pense que c'est C aussi. C'est en tout cas, c'est spécialité maths et physique. Moi aussi, c'était c'est bon. Ah, ok. Voilà. Donc, j'ai un bac C et ensuite, je suis venue en France. Je suis venue en France, j'ai fait un DUT en génie civil. Donc, 2 ans. Et après ça, j'ai fait une école d'ingénieur, 3 ans. Donc, j'ai fait 5 ans d'année au total d'études. Et j'ai eu mon diplôme en 2014, fin 2014, début 2015. OK. Et donc, depuis 2015, je travaille dans le domaine du bâtiment en région parisienne, à Paris. En tant que, là, mon poste actuel, c'est contrôleur technique en bâtiment. Contrôleur technique en bâtiment. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que quand mon amie m'a contacté, elle m'a dit, oui, elle est ingénieure comme toi. Et la première des choses pour moi dans ma tête, quand je suis venu sur ton profil sur Instagram, moi, je cherchais seulement, hey, c'est une femme ingénieure, let's go. Voyons tout après, je suis tombé sur d'autres choses. Mais honnêtement, merci de partager, au fait, je peux dire partager ton quotidien un peu dans ce domaine. Pourquoi? Parce que tu sais, dans le domaine de l'ingénierie, il n'y a pas beaucoup de femmes. De Comment? plus en plus, mais il n'y en a pas encore. C'est vrai qu'on n'est pas encore à moitié-moitié, quoi. Mais C'est ça ça. arrive, ça arrive. Et qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans l'ingénierie? Alors, pourquoi je suis allée dans l'ingénierie? Parce que à la base, je pense que je voulais être architecte. Je ne me souviens même plus très bien, honnêtement. Je pense que je voulais être architecte. Parce que pour moi, en fait, ce que j'aimais bien dans ma vision du métier d'architecte, c'était que tu sortais en fait de ton imagination et de tes mains, tu sortais un projet, quoi. Tu sortais une maison pour une famille, tu donnais à une famille l'occasion de vivre dans un cadre apaisant, un cadre beau. Et j'aimais vraiment l'idée de partir de rien pour donner quelque chose de concret où on pouvait vivre, où on pouvait habiter. J'aime beaucoup le fait de passer de rien à quelque chose de concret. Sauf qu'en fait, en France, le métier d'architecte, c'est un métier qui est beaucoup plus axé artistique. C'est un métier plus où on dessine, en tout cas en France. Aux États-Unis, je pense que c'est un peu différent. Je sais qu'en Belgique aussi, c'est un peu différent, mais en tout cas en France, l'architecte, c'est un artiste. C'est quelqu'un qui va décider de belles couleurs, de beaux concepts, de quelque chose de beau, en fait. Mais du coup, pour moi qui avais fait une série scientifique, donc un bac C, entre guillemets, je trouvais ça un peu dommage d'avoir trimé avec les maths, la physique, etc., tout ce temps pour venir faire en fait de l'art. Même si j'aime beaucoup tout ce qui est artistique, mais je trouvais que c'était un peu du gâchis. Et du coup, je me suis dit que je pouvais m'orienter en ingénierie du bâtiment, parce que j'allais quand même rester dans le bâtiment, j'allais quand même rester dans le domaine concret, mais que ça allait être plus technique que simplement le métier d'architecte. Donc voilà comment j'ai atterri un peu. Honnêtement, un peu par hasard dans le domaine de l'ingénierie en bâtiment. Donc, quand tu faisais ton DUT, tu as commencé ton DUT en architecture ou en ingénierie? En ingénierie, en génie civil, c'est un DUT génie civil. Et justement, le DUT, c'est un diplôme de 2 ans. Et ici, en tout cas en France en général, le DUT, les gens, ils font un DUT et puis ils commencent à travailler tout de suite après. Il n'y a Ah, pas ok. une grande partie de personnes qui, après un DUT, font école d'ingénieur. En général, pour entrer en école d'ingénieur, ce sont des gens qui ont fait des prépas ou qui ont intégré l'école d'ingénieur dès la première année, juste après le bac. Donc déjà, faire école d'ingénieur après le DUT, c'est pas le parcours type, quoi. Ok, mais là, la raison pour laquelle, parce que ça, la raison pour laquelle je te pose des questions encore sur l'ingénierie d'abord, c'est parce que s'il y a des personnes, par exemple, comme toi, qui viennent du pays et qui veulent se lancer, qui veulent faire, suivre le même parcours que toi, est-ce que toi, tu les conseilles d'aller dans le DUT, puis
l'école d'ingénierie ou aller dans l'école d'ingénierie automatique directement? Moi, je conseillerais d'aller en prépa intégrée ou en prépa en classe préparatoire. OK. Parce que en fait, pourquoi je conseille plutôt la classe préparatoire? Parce que quand tu entres en école d'ingénieur, la première année, donc la troisième année après, donc bac, quand tu as bac plus 3, c'est un tronc commun. Donc, c'est une année qui est vraiment très compliquée parce qu'on fait de l'informatique assez poussée. On fait beaucoup de mécanique des fluides, beaucoup de résistance des matériaux, des trucs très, 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 très techniques. Mmh. Et malheureusement, ce ne sont pas des choses qu'on voit beaucoup en DUT. En fait, en DUT, comme je te disais, 2 ans, en général, c'est pour former des personnes pour qu'elles travaillent en tant qu'assistant conducteur de travaux ou assistant bureau d'études, mais c'est pour former des personnes à travailler tout de suite. Donc, ils ne vont pas dans le détail de la formation. Enfin, ils font quelque chose d'assez technique. C'est très technique, hein, le DUT, mais c'est concret. C'est tout de suite dans le cœur du métier, quoi. On ne va pas aller faire des théorèmes de 100 000 pages. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tu arrives en école d'ingénieur, eux, c'est ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent que tu développes en informatique, que tu développes en mécanique, que tu fasses vraiment des trucs très, très, très théoriques. La troisième année en école d'ingénieur, elle est assez théorique. Mmh. Donc, moi, je conseille, je trouve que c'est plus... Et puis, surtout, en fait, après, quand tu fais DUT et que tu veux passer en école d'ingénieur, c'est sur dossier, il faut passer un concours. Enfin, comment dire? C'est sur entretien. Moi, j'ai passé un entretien. Enfin, j'ai passé plusieurs entretiens oraux. Mmh. Sur études de dossier, donc il faut avoir de super bonnes notes en fait, parce que ils se disent mais ouais, mais t'as fait DUT, t'as pas le même niveau que quelqu'un qui a fait prépa, donc pour que toi on t'accepte en ayant un DUT, il faut que t'aies un très bon niveau en DUT quoi. Donc la voie la plus simple, bon la plus simple pas forcément, mais la plus plus sûre on va dire, c'est de faire une prépa. Une prépa. Et ensuite l'école d'ingé. Ouais. Ok. Prépa. École d'ingénierie. Merci beaucoup de ce partage. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas fait mes études d'ingénierie en France. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Comment on dit? Le système est différent, ouais. C'est totalement différent. Chez nous, aux États-Unis, c'est un peu... c'est quasiment dès que tu finis le high school, tu rentres à l'université et tu fais tes 4 ans d'université. Et tout comme toi, moi, j'entrais ici dans l'école d'ingénierie. Bon, j'entrais à l'université en pensant que je voulais être architecte. Mais ça, c'est pour ça que je me suis mise à rire. C'est pour ça que je me suis mise à rire. Parce que j'étais vraiment artistique, mais j'avais aussi ce côté maths physique qui était très élevé. Donc, alors, quand je suis arrivé à l'université, j'ai fait une année d'architecture, ingénierie. C'est comment on appelle ça, architecture engineering. Mm-hmm. Et après cette année, j'ai eu un stage. Et c'est au cours de ces stages dans une boîte avec des architectes et des ingénieurs que je me suis rendu compte que l'architecture, ce n'est pas ce que je veux faire. Pourquoi? Parce que, comme tu as dit, les architectes, ce sont des artistes et ce sont des dessinateurs. Et moi, je veux pas être on appelle ça en anglais, glorified artist, un artiste glorifié. C'est comme ça que j'appelle les architectes. Alors moi, je suis allé vers l'ingénierie. Pourquoi? Parce que dès que tu finis, tu gagnes quand même pas mal d'argent dès que tu sors. Ouais. C'était la chose. Donc, merci de ce parcours. Parce que c'est qu'il y a une personne dans le chat là, monsieur Bantouzi, s'il te plaît, pose tes questions parce que lui, il est dans le génie civil. Donc, Génie civil aux États-Unis? Non, lui, il est en Afrique. Mais si jamais il rentre en France... Okay. S'il te plaît, pose tes questions dans ce domaine. Donc, là, tu finis tes études en 2014. Mais avant de rentrer dans la prochaine phase, dans ton parcours d'étudiante, as-tu fait face à des obstacles vu que, je vais dire la réalité, tu étais peut-être l'une des seules femmes dans ton domaine? Alors, j'étais pas l'une des seules femmes. Il y en avait pas beaucoup, mais je n'étais pas l'une des seules femmes. D'ailleurs, la plupart des filles avec qui j'étais en école d'ingénieur, c'était des Africaines. Il y avait beaucoup d'Africaines avec qui j'étais. J'étais amie avec une Sénégalaise, mais il y en avait plusieurs, une Marocaine, une Djiboutienne. Donc, il y avait pas mal de femmes quand même, et il y avait quand même beaucoup de femmes africaines. Okay. Donc, de plus en plus, on n'est pas encore à 50-50 hommes-femmes, mais moi, je trouve quand même que de plus en plus, il y a de femmes dans le domaine. Et même dans mon entreprise à l'heure actuelle, dans mon agence, là où je travaille, on est 5 femmes sur une équipe de 12 personnes, quoi. Donc, tu vois, c'est pas loin, quoi. C'est pas loin. Ouais.
C'est très beau ça. Pourquoi? Parce que c'est une réalité totalement différente de ce que nous, on connaît Ouais. ici. Aux États-Unis, c'est vrai que c'est il y a beaucoup d'écart. Oh. Oh, c'est très visible même. Au fait, tu peux faire des compagnies où tu ne trouves pas de femmes. Ou oui, il y a des compagnies où tu ne vas pas trouver des femmes dans les équipes. Ou même quand il y a des femmes dans les équipes, il y a quasiment, elles font partie peut-être de 6 à 10% de l'effectif. D'accord. Donc, Bon. c'est une réalité qui est quand même. Mais c'est vrai que moi aussi j'ai été assez étonnée parce que même quand j'ai décidé d'être en école d'ingénieur, etc., je me disais que j'allais être l'une des seules filles. Mais que ce soit en DUT ou en génie. Alors en DUT, il y avait quand même beaucoup moins de filles. Beaucoup moins de filles quand même. Bon, après, honnêtement, moi j'ai un peu l'habitude d'être dans un environnement masculin, donc ça ne m'a jamais plus tracassé que ça. Il faut, enfin, en gros, il faut avoir de la personnalité. J'arrive très bien à m'imposer. Donc, celui qui veut m'emmerder, c'est même pas mon problème, en fait. Il J'aime allait ça. parler seul, quoi. J'aime, je sais bien m'imposer. OK. Donc là, tu finis tes études et puis pour rentrer dans le monde du travail, c'était un peu facile pour toi ou tu as pris trop de Alors, temps pour te lancer dans le monde du non, travail? ça, je pense que ça a été la première grosse épreuve de mon parcours parce que j'ai eu un parcours assez carré. J'avais toujours de bonnes notes, même sans forcément trop travailler. Et franchement, quand il a fallu chercher du travail, là, vraiment, ça a été très compliqué, quoi. Parce que j'ai fait des entretiens à l'appel. J'étais fatiguée des entretiens. J'ai passé des entretiens dans toutes les boîtes de France. Envoyé mon CV. Je pense que j'ai envoyé au moins 1000 CV, quoi. Attends, Honnêtement, je pense que pour tous ceux qui écoutent là, tu as envoyé combien de CV? franchement, je pense que j'en ai envoyé 1000. Hein. Je pense que j'ai envoyé au moins 1000 CV, quoi. Waouh! Sincèrement, je pense que je ne suis pas loin de 1000 CV. Hein. Avec les bonnes notes que tu avais, ton parcours. Mais pourquoi est-ce que tu penses que c'était aussi difficile? Je ne sais pas. Alors, ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que c'était aussi difficile? Alors, déjà, je pense que je n'ai pas forcément le. Comment dire? J'ai pas le réseau. Enfin, en tout cas, à l'époque, je n'avais pas le réseau. Parce que il faut se dire la vérité. On dit tout le temps qu'en Afrique, on fonctionne au piston, etc. Mais c'est pareil ici. Hein. Ici, c'est pareil. Pareil. C'est tout le temps le fils d'eux, le cousin d'eux. Il y a un ami qui connaît quelqu'un qui te coopte, etc. Et honnêtement, quand t'as pas ça, quand t'as pas au moins un ou deux contacts quelque part, t'arrives pas. Ensuite, qu'est-ce qui a pu faire la différence? Je pense aussi qu'il faut savoir se vendre. Je pense aussi qu'il faut savoir se vendre. Il faut savoir se positionner. Et c'est vrai que peut-être qu'à l'époque, je ne savais pas forcément le faire parce que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend dès le plus jeune âge en Afrique. Pas au Gabon, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à faire. Passer des entretiens, se présenter en entretien, parler comme ça, etc. C'est pas quelque chose d'inné et c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément. Donc peut-être qu'à ce moment-là, je ne le faisais pas bien en entretien. C'est pas impossible. Qu'est-ce qui a pu jouer en ma défaveur à l'époque? Avais-tu des stages déjà quand tu sortais Oui, de l'école? j'avais des stages. J'avais 5 stages. J'ai fait cinq années d'études, 5 stages. 5 stages, C'était obligatoire. C'était obligatoire pendant ma formation. même jusqu'à là, tu avais des difficultés pour Ouais. trouver un travail dès que tu sortais. Ouais. Et le problème aussi, je pense, c'est que je ne cherchais que le même type de poste. Je cherchais en bureau d'études, je cherchais. À un moment, j'ai cherché conducteur de travaux. Mais en fait, le poste que j'occupe actuellement, je ne l'ai jamais cherché, en fait. Je n'ai jamais cherché ce type de poste. Parce que je ne savais même pas que ce type de poste existait, en fait. Donc, tu vois, moi-même, déjà, dans ma recherche, je me suis limitée à un peu un domaine. Parce que je n'avais pas forcément connaissance de tout le potentiel qu'il y avait, de tous les potentiels postes qu'il y avait autour, quoi. Donc, mais en Tout tout à fait. cas, j'ai cherché pendant. Bon, j'ai été diplômée j'ai terminé mon stage de fin d'études en novembre. J'ai été diplômée en décembre et j'ai eu mon premier emploi en octobre de l'année qui a suivi. Donc, j'ai cherché pendant 10 mois, 9, 10 mois. Bon, je t'avoue, au début, j'ai pas trop cherché. Au début, je me suis dit, ouais, bon, je vais prendre 2, 3 mois tranquille et tout. Je vais juste regarder. Mais quand j'ai vraiment commencé à chercher, on devait être en février-mars, j'ai cherché pendant 6 mois d'affilée et pff, je trouvais pas quoi. Et j'ai failli péter un câble, ça m'a tué quoi. Comment tu fais? Comment tu as fait? Ouais. Moi, j'allais,
comment dire, comme The Pursuit of Happiness, si tu te souviens du film The Pursuit of Happiness, j'allais dormir à la gare, à la station de métro pour trouver le travail là. C'était dur, hein. C'était dur. Aujourd'hui, ça paraît lointain, on dirait que c'est un truc qui date il y a 20 ans, mais c'était super dur. Wow. En fait, c'était même super dur parce que justement, tu comprends pas. Tu te dis, mais attends, moi, je suis une très bonne élève, j'ai tout le temps de bonnes notes, j'ai jamais redoublé. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? J'arrive en entretien, je parle bien français, etc. Et tu te remets tout le temps en question, surtout si tu n'as jamais eu de. C'est peut-être d'ailleurs ma malchance, entre guillemets, c'est que je n'avais jamais eu d'échec scolaire avant. C'est ça. Et du coup, atteindre ce niveau-là et me rendre compte qu'en fait, ce n'était pas aussi facile que je pensais, c'était super dur, quoi. Yeah. Tu as parlé, tu as donné deux keywords, deux mots-clés. Tu as parlé, tu as dit ceci. Il y a vers ce type de poste que je ne pensais pas existait. Et c'est le type de poste que tu occupes présentement. Exactement. Peux-tu, au fait, nous donner comme deux ou trois types de postes que tu vois que la majorité des gens, quand ils entendent parler de l'industrie du bâtiment, ne pensent pas à ça? Donne-moi deux ou trois postes. Alors, en fait, déjà, il y a il y a un poste que les gens appellent généralement chef de chantier. Je pense que chez vous, c'est Building Site Manager. Yeah. Je pense. Chef de chantier, ici en France, ce n'est pas un poste d'ingénieur. Quand tu es ingénieur, tu ne peux pas être chef de chantier. Tu dois être conducteur de travaux. Conducteur de travaux, c'est un peu le même poste que chef de chantier, mais tu es le manager du chef de chantier. Donc, moi, le poste que je recherchais à l'époque, c'était conducteur de travaux et ingénieur en bureau d'études. Bureau d'études structure, bureau d'études technique. Ça peut être aussi bureau d'études prix. Voilà les postes que je recherchais. Le poste que moi, j'occupe aujourd'hui, c'est un poste de contrôleur technique en bâtiment. Et c'est un métier que je ne connaissais absolument pas. Pourtant, c'est un métier qui est très, très intéressant, qui permet d'aller en même temps. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est que tu peux à la fois faire du bureau. Donc, tu as tout l'aspect technique sur plan avec les dossiers techniques que tu reçois au bureau, quoi. Tous les plans, tous les visas. Et tu as l'aspect chantier. Tu vas sur chantier, tu peux aller sur chantier 5 tous les jours de la semaine, comme tu peux aller une fois par semaine. Ça dépend des périodes. Donc, c'est un métier que je ne connaissais pas. Je le connaissais de nom, mais très, très, très rapidement, quoi. C'est pas un métier. Je m'étais jamais posé la question en me demandant, mais ça peut être intéressant pour moi, etc. Je l'ai jamais recherché. Tout à fait. C'est un jour par hasard comme on a parlé, en fait. OK. Et c'est intéressant. Vraiment, ton parcours me fait rire. Pourquoi? Parce que le poste que j'ai eu avant, ceci, c'était contrôleur technique de qualité. Ah ouais? Ah ouais? Ton parcours me fait très rire. Ça me fait rire. J'ai l'impression qu'on a un parcours similaire. Honnêtement, quand je regarde aussi, ce parcours, c'est contrôle. Bon, le poste que j'ai occupé, c'était contrôle de qualité. Et je me suis rendu compte après avoir, quand je travaillais dans la gestion, dans l'équipe de gestion de projet, il y avait une formation en contrôle de qualité. Alors j'ai vu la formation, je vais me lancer dans la formation pour voir quel atout ça me donne. Quand j'ai pris la formation, je me suis rendu compte qu'il y a quasiment des personnes qui ne font que ça de leur vie, toute leur carrière. Donc, j'ai pris la formation, j'ai mis la formation dans ma poche et je suis devenu contrôleur de qualité sur formation. Alors, il y a un jour, je cherchais un boulot. Bon, je voulais le même boulot que tu as parlé et on m'a proposé contrôle de qualité. J'ai dit oui. Et c'est comme ça que j'ai pris le contrôle de qualité pendant deux ans. Et c'est intéressant. Et ce sont des positions palpables. Des positions que les jeunes qui sortent de l'université ne pensent même pas. Ils pensent vraiment à gérer un projet surintendant. C'est tout ce qu'ils pensent. Exactement. Exactement. Et ça, c'est un peu la faute aussi des écoles d'ingénieurs parce que moi, je me dis quand même qu'on devrait avoir des cours où on nous parle vraiment des différents métiers et où on nous montre le potentiel, en fait. Parce que quand tu sors d'ingénieur, tout le monde ne peut pas être conducteur de travaux, tout le monde ne peut pas être chef de projet, tout le monde ne peut pas faire la même chose. Il y a des métiers comme ça dont on ne parle pas. Moi, on ne m'a jamais parlé de contrôleur technique en école d'ingénieur. Même ici. Pourtant, c'est un métier intéressant, c'est un métier où il y a plein de choses à faire, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce partage. Pour tous ceux qui écoutent, qui sont intéressés d'aller dans l'école d'ingénierie, prenez note. S'il vous plaît, faites des recherches intensives, pointues, sur les différents métiers dans le domaine des bâtiments. Okay? Il y en a beaucoup plus d'opportunités que vous pensez.
Bon, là, on va passer maintenant à la prochaine étape. Là, tu sors, tu envoies 1000 CV, tu attends 10 mois, tu trouves le travail. Et là, je ne voulais pas faire mes recherches, ça m'est gâté, mais j'ai fait une petite recherche de 5 minutes. Donc, là, tu commences, tu commences à travailler et puis, à un certain moment, tu changes de direction dans ta carrière pour devenir contrôleur de qualité, n'est-ce pas? Alors, non, le premier emploi que j'ai eu en 2015, c'était un emploi de maître d'œuvre d'exécution. Alors, je ne sais pas comment ça va se traduire chez vous, mais en gros, tu aides le client, le client il a un projet et tu l'aides à comprendre l'aspect technique des choses. Parce qu'en général, c'est pas quelqu'un, le client il connaît pas, il n'est pas sa chance sur ces domaines-là. Donc, tu l'accompagnes au quotidien. Le nom du poste, c'est maître d'œuvre d'exécution. Donc, ça, c'est le premier poste que j'ai eu. Je l'ai eu pendant un peu moins d'un an. Et ensuite, j'ai occupé le poste que j'occupe actuellement. Donc, pour l'instant, j'ai eu deux postes. Nice. Et celui que j'occupe actuellement, je l'occupe depuis 2016. Et merci beaucoup pour ce partage. Maître d'œuvre d'exécution. Donc, pour nous, c'est comme tu es quasiment un accompagnateur du client. C'est ça. Tu es un accompagnateur technique du client. Tu lui montres, tu lui expliques techniquement ce que l'entreprise est en train de faire, ce qui va pas. Enfin, voilà. Tout à fait. En fait, toi, tu es quand tu es maître d'œuvre d'exécution, tu es l'interlocuteur, par exemple, du contrôleur technique. Oui. C'est toi qui vas poser les questions au contrôleur technique. Oui, mais il y a ça. Est-ce que ça, c'est conforme, etc. Du coup, tu expliques ensuite au client, oui, ça, on devrait faire comme ci ou comme ça. OK. Merci beaucoup pour ce partage. Ça, ce sont des termes. Merci parce que ce sont des termes que moi, je comprends maintenant. Je peux voir comment je peux les utiliser si jamais je me trouve en France. OK. Là, maintenant, si je me suis, mais je ne me trompe pas, entre ta transition de contrôleur de maître d'œuvre d'exécution et contrôleur technique que tu es maintenant, tu as créé quelque chose. Oui. Bon. En 2016. Alors. En 2016, effectivement, j'ai publié mon premier livre, donc qui est celui-ci, Le petit manuel du cheveu crépu, qui est en fait un livre illustré qui traite de l'entretien des cheveux afro. Donc, c'est un livre qui va aider à comprendre la nature de nos cheveux bouclés, frisés, crépus, et qui permet de comprendre la nature de nos cheveux. C'est un livre que j'ai publié en 2016. Et comment dire, ça aussi c'est une longue histoire, mais en 2012, j'ai coupé mes cheveux, j'ai quasiment coupé à ras, parce que j'en avais marre d'avoir les cheveux défrisés, tout simplement. J'ai coupé à ras, juste un peu plus que toi. Vraiment là. J'avais juste ça en plus. Et du coup, depuis 2012, au début, je cherchais sur Internet, dans les livres, etc., des conseils, des astuces et tout. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de livre qui existait. J'avais pas du tout de livre de ce type-là qui existait, donc j'ai commencé à regarder. Et moi, en fait, j'aime beaucoup écrire. J'ai toujours aimé écrire, prendre des notes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un blog, parce que j'aime bien écrire, j'aime bien prendre des notes, etc. Et du coup, j'ai commencé à prendre des notes. Quand je trouvais des informations sur l'entretien des cheveux afro, je prenais des notes, je notais, etc. Et en parallèle de ça, quand mes cheveux ont commencé à pousser, mes proches commençaient à me poser des questions. Comment tu fais pour entretenir tes cheveux? Comment tu fais pour qu'ils poussent? Ah, tes cheveux sont beaux, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quelque chose que les gens recherchaient et dont ils avaient besoin, en fait. Et du coup, en 2014-2015, je me suis dit, pourquoi pas tout consigner dans un livre et publier un livre qui va aider. En fait, j'ai écrit le livre que j'aurais aimé avoir, quoi. C'est le livre que j'aurais aimé avoir à l'époque. Je l'ai publié. That's beautiful. Donc, en 2014-2015, tu as commencé à écrire le livre. Oui. Entre-temps, tu finissais ton école d'ingénieur. Tout à fait. Il n'y avait pas de stress dans ça? En fait, ma grosse période de chômage, là, c'est pendant cette période que j'ai écrit le livre, la plus grosse partie du livre. Enfin, la partie où j'ai bien mis en forme mes idées, etc., j'ai bien organisé, c'était pendant cette période de chômage. J'ai l'impression que toi, tu es très efficace comme personne. Tu ne perds pas le temps. J'essaie au maximum. Pour moi, c'est très, très, très important de maximiser son temps et de faire le maximum de choses, quoi. Avais-tu toujours cette discipline de temps, l'organisation, de planification et tout?
Oui, sauf qu'avant, c'était beaucoup plus facile. Je ne me rendais même pas compte. Au lycée, par exemple, enfin, ça m'arrivait, par exemple, de terminer mes exercices avant même de rentrer à la maison, quoi. Si on avait des exercices, je les faisais là, en classe, avant de sortir, ils sont faits. Et puis demain, je viens et j'ouvre, quoi. Comme ça, je n'ai pas forcément à travailler à la maison. J'ai Sauf que l'impression. c'était beaucoup, beaucoup plus facile à l'époque. Là, maintenant, c'est un peu plus challengeant. Mais Oui. j'ai toujours eu cette envie. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur d'être le plus efficient possible. Nice. Wow. OK. Donc, tu as écrit un livre et mais ça, c'était le premier livre que tu as écrit. À fait. Et est-ce que tu as écrit le deuxième livre en même temps ou plus tard? Non, du tout. Le deuxième livre, du coup, c'est celui-là. Et lui, il est sorti en 2000, 2019. Donc, c'est ça. C'est un livre de coiffure. C'est un livre tuto coiffure. Donc, par contre, celui-là, c'est un livre qui explique, qui montre des coiffures étape par étape, en fonction de la longueur, du type de cheveux. Donc, il y a des cheveux bouclés, frisés, crépus. Wow, c'est beau ça. Il y a plus de 200 coiffures. Donc, celui-là, Wow. je l'ai fait en 2000, 2019. 2019. Mais Ouais. attends, mais ça c'est beaucoup de travail ça. Ça, c'est énormément de travail, tout à fait. Tout ce montage graphique, ah, les photos, vraiment, même les coiffures et tout. Alors, Honnêtement. pour ce livre-là, justement, c'est moi qui ai fait les coiffures, mais du coup, j'étais avec une collaboratrice qui faisait les photos et qui a fait la mise en page du livre. Wow. Moi, je suis ici là. J'ai fait le même boulot que toi. Je ne trouve pas le temps pour faire ça, honnêtement. Je ne trouve pas le temps. On n'a que 168 heures dans la semaine. Moi, je vais poser mes questions personnelles là. On n'a que 168 heures dans la semaine. Comment est-ce que tu organises ta semaine pour être capable de faire tout ça? S'il te plaît, grosso modo, tu n'as pas besoin de parler trop en détail, mais dis-nous comment toi tu fais, s'il te plaît. Alors, aujourd'hui, c'est différent parce qu'aujourd'hui, du coup, les livres sont déjà sortis. Donc, ce ne sont pas des livres que j'ai sortis aujourd'hui. Tu vois, comme je t'ai dit, le premier livre, je l'ai sorti, enfin, je l'ai mis en forme pendant ma période de chômage. Donc, c'est quand même une période où j'avais plus de temps, j'étais plus maître de mon temps et à disposition, etc. Aujourd'hui, comment j'organise ma semaine? Mon métier aujourd'hui me permet d'avoir des tranches horaires. En fait, je n'ai pas un emploi 9-5, 9-5, je crois, c'est comme ça qu'on est chez vous, Oui. où je suis obligée d'être au poste, où on me voit, où on me demande d'être là tout le temps. Oui. Moi, mon emploi aujourd'hui, j'ai des objectifs à atteindre. Peu importe comment je les atteins, il faut que je les atteigne. Donc, je suis quelqu'un, effectivement, je vais répondre vite, enfin, selon les périodes, je vais répondre vite aux mails, je vais répondre aux questions des clients. Et au-delà, je fais pas plus que ça. Moi, je fais mon job, je fais pas plus que mon job. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Je vais pas chercher forcément dans mon emploi à faire, tu vois. Je vais à l'essentiel. J'ai un objectif, je le fais, c'est tout. Il y a des clients qui demandent plus d'attention, etc. J'essaie de leur donner. Mais une fois que j'ai fait ma mission est finie, je passe à la suivante. Et pendant les moments, par exemple, si j'ai une réunion à 9h, ensuite j'en ai une à 14h, ça veut dire qu'entre-temps, j'ai une tranche horaire. Du coup, c'est là où je vais envoyer des mails. Je vais répondre aux mails que mes clients m'envoient, ou je vais alors chercher des fournisseurs, ou je vais chercher, je suis contactée, enfin, je ne sais pas, je vais faire mon point comptable. Je jongle comme ça avec mes tranches horaires au maximum. Et je profite de chaque fenêtre que j'ai pour faire mon planning sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux à l'heure actuelle, c'est important, c'est là qu'on vend le plus. Donc aujourd'hui, j'ai une équipe, on est trois aujourd'hui sur la gestion des réseaux sociaux, sur le site, sur les. Enfin voilà. Donc je gère les équipes, je parle à mes employés, enfin je leur dis ce qu'il faut faire, on fait le point. Et je fonctionne vraiment par créneau. Je peux pas attribuer plus de 3 heures ou plus de 2 heures à quelque chose qui concerne pas mon emploi parce que je suis quand même salarié. Donc j'ai quand même Des des objectifs obligations, et des obligations. Voilà, j'ai quand oui. même des obligations à avoir. Donc je sais Oui. que si je dois faire un point avec l'une de mes salariés, je vais lui dire le matin à 8 heures, je lui envoie un message, je lui dis oui, voilà ce que j'aimerais qu'on fasse dans la journée, il y a ça, ça, ça. Je t'appelle à 15 heures. Et à 15 h, quand je l'appelle, il faut qu'elle m'ait expliqué si elle a fait ci ou ça. Et qu'elle m'ait répondu en 10-15 minutes, maximum 30 minutes, on a fait le point et on passe à autre chose.
Et comme ça, elle peut continuer jusqu'à 18 ou 19 heures sur ce point-là. Et demain, on rebelote. Le matin, je lui envoie un mail ou un message à 8 heures. Voilà ce que je veux que tu fasses dans la journée. Voilà ce qui est important. Des fois, je le fais à la semaine. Donc, lundi, je lui dis, voilà ce que je veux que tu fasses dans la semaine. Et jeudi, on fait un point, et etc. Et pendant ce temps-là, du coup, je jongle avec mes réunions de chantier, ma fille, parce que du coup, j'ai une fille de 2 ans. Félicitations. Et c'est... Merci. C'est pas évident, mais ça peut se faire quand même. C'est beaucoup d'organisation. Et puis aussi, il faut reconnaître, il faut faire des sacrifices, quoi. Oui. Si tu aimes dormir, tu aimes faire les grasses matinées, que tu veux dormir de 20h à 9h, tu pourras pas. Il faut te dire, parfois, tu vas dormir 6h par nuit ou beaucoup moins. Oui. Et puis, il faut avoir aussi un support système, quoi. Une personne qui, bah, moi, en l'occurrence, c'est mon conjoint, mais une personne qui t'épaule et qui t'accompagne et qui te comprend et qui accepte aussi que, bah, du coup, tu vas pas forcément être autant disponible que voilà. Et c'est un tout, en fait. C'est vraiment c'est une synergie de tout ça, quoi. C'est une vie. C'est un rythme de vie. C'est un, on dit, c'est un lifestyle, au fait. Ouais. Et carrément, t'es, chaque minute compte chez toi. Oui. C'est pour ça que je dis merci pour cette entrevue. Pour ceux qui écoutent là, si vous êtes en train de manquer l'entrevue, je suis désolé. Il nous reste que quelques minutes, donc restez attachés vos ceintures et posez vos questions, ok? Je pense qu'on a des questions. Oui, on a déjà des questions. Donc, la première des choses, lui dit, Louis, s'il te plaît, donne-nous des références du site et de la page. Moi, ce que je fais en plein milieu de l'interview, c'est la talakou. Ici, on fait la talakou. Donc, le premier talakou, c'est la page Instagram de Nathalie. Donc, pour tous ceux qui sont là, je vais mettre le lien de sa page Instagram. OK? Si vous voulez vraiment avoir une photo, comment on dit? Pour ceux qui aiment apprendre de la vie des gens, voir, regarder la vie des gens, s'il vous plaît, abonnez-vous à sa page, vous allez voir qui elle est. C'est une personne comme vous et moi. Mais la chose est que, comme vous avez entendu, elle aime un peu la barre, un peu. Donc connectez-vous à sa chaîne et ça va vous motiver. Et je te dis, quand je suis tombé sur ta chaîne, sur ta page, j'ai dit, OK, si tu es capable de faire tout ça, moi aussi, je suis capable. Je dois aussi trouver un moyen de, tout à fait. De créer quelque chose. Et c'est ça vraiment que j'aime dans ce partage. Parce que on se motive. Tu vois? On se motive et vraiment ton. Mais tout à fait. Pour moi, les réseaux sociaux, ils servent à ça. Mm-hmm. Merci. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ça va être coupé pour 2 secondes. Oui. Oui. D'accord. Non, je disais, pour moi, les réseaux sociaux, ils doivent servir à s'inspirer, en fait. On passe tellement de temps dessus, on passe tellement de... Enfin, moi, je passe un temps fou sur mon téléphone. J'essaie de diminuer au maximum. Mais je passe un temps fou sur mon téléphone. Donc, il faut vraiment que ça soit quelque chose de positif, en fait. Quelque chose où tu en tires quelque chose. Soit tu t'inspires, soit ce que les gens font t'inspire. Soit tu trouves l'inspiration, je sais pas, pour le sport, pour l'alimentation, pour le business. Ou alors juste pour avoir du fun et pour rigoler. Mais il faut pas que ça soit un endroit inutile, en fait. Pour moi, les réseaux sociaux, ça doit servir à s'inspirer les uns les autres, ouais. Merci beaucoup de nous inspirer. J'aime bien tes photos, ton branding. Vraiment, très belle page. S'il vous plaît, allez vous abonner à sa page. Vous allez avoir accès au fait sa vie. Parce qu'apparemment, elle n'est pas seulement ingénieure. Parce qu'il y a seulement mis trois titres. Il y a d'autres titres là. On va arriver à ces titres tout à l'heure. Mais on va arriver à ça. Oh, voilà, ta fille, elle est très belle. Oh. Et tout récemment, OK. Elle a eu 2 ans la semaine dernière, ouais. 2 ans. Mais tu sais, en anglais, on appelle ça terrible two. Je confirme. Vraiment. Confirme. On est en plein dedans là. J'ai hâte de traverser la phase. Il y a aussi la phase des 3 ans. Dès que je traverse ces 2 phases-là, bon, il y a aussi une autre qui vient. Elle va aussi faire sa part. Au moins, je me donne 2 ans. Dans 2 ans, je n'ai plus à faire avec ces gens de 2 ans-là. Non, franchement, on souffre, quoi. Les gens de 2 ans-là, ils nous font ça dur. Hey! Non, c'est moi, c'est pas toi, c'est moi, machin. Non, pardon. Anyway, très belle page Instagram. Et aussi, pour ceux et celles qui sont intéressés, comment ça se dit? Boétie. 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 Après, tu peux aussi dire Boétie. Alors, il y a deux sens.
Boessi, ça veut dire faire les cheveux, enfant. Et Et l'autre, ça. Boessi, essi pour cheveux, et beau pour beau en français. Genre jolis cheveux. Beaux cheveux. Dis-moi, le fang là, nous on veut parler enfant, nous on est ici enfant, c'est quoi? C'est Boessi. Boessi, Ah, ouais. Ma Boessi. Boessi, Donc, ouais. tu as dit ma Boessi. Ma Boessi, ça veut dire je fais les cheveux. Vous voyez, je vais commencer à parler, je vais commencer à parler le Wondo aussi bientôt, hein. Je vous dis. Voilà la page, voici la page boessibeauty.com. Vous Ouais, parce pouvez que du coup, retrouver. ça, c'est la page pour les produits. Parce que du coup, j'ai une marque de produits capillaires en Oui. complément de des Vas-y, livres. montre-moi les produits. Montre les produits rapidement, s'il te plaît. Alors, voilà. OK. Boessi. Et ça, c'est trois produits que tu présentes. En fait, il y a quatre produits, en fait. Il y a Il y en l'autre a aussi. quatre produits. Celui-là, c'est le tout nouveau. Donc ça, c'est le leave-in. Là, il y a le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Et le masque. Tout à fait. Merci. Et là, je vais te poser une question. Là, tu te lèves, tu dis, je vais écrire le livre. Je vais écrire l'autre livre. Et entre-temps, je vais lancer une marque de produits capillaires. Bon, là, il faut que tu nous dises la vérité. Tu nous dises la vérité. Ah, c'est où? C'est dans quelle de la chronologie là? Où est-ce que tu as décidé de lancer la marque de produits capillaires? Marque de produits capillaires, en fait, c'est une idée que j'ai en tête on va dire, depuis 2019, parce que en fait, à chaque fois que je participe à des événements, donc j'ai participé au Salon du Livre ici, à la Natural Hair Academy, enfin, des événements autour du cheveu ou autour du livre. Et souvent, les femmes que je rencontre, les femmes noires, afro, aux cheveux crépus, bouclés ou frisés, me demandent, oui, mais du coup, moi, quel produit vous conseillez? Qu'est-ce que vous conseillez comme produit? Moi, je ne sais pas, je mets ce produit-là, mais je sais que mes cheveux ne réagissent pas bien. Et je me suis dit, mais pourquoi pas compléter, en fait, en proposant, du coup, une gamme de produits? Puisque, du coup, en fait, en faisant ce livre-là, j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis rendu compte des produits à éviter, des composants à éviter, tout ce qui est chimique, etc., qui sont pas bons pour nos cheveux. Je me suis renseignée beaucoup là-dessus. Donc aujourd'hui, j'ai contacté plusieurs laboratoires et je leur ai dit, moi, je sais, je veux des produits qui ont tel ingrédient parce que je sais que ceux-là sont bons et je sais, je veux des produits qui ne contiennent pas ces ingrédients-là parce que je sais que ceux-là ne sont pas bons. Et en fait, mon idée de base, c'est ça. C'est proposer vraiment, en fait, c'est quoi le problème de fond? Le problème de fond, c'est qu'on nous a tellement dit que les cheveux crépus, c'est dur à entretenir. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment les entretenir. Moi, j'ai vraiment envie de montrer aujourd'hui que c'est pas vrai. J'ai envie de montrer que non, si tu as les bonnes informations, tu peux coiffer tes cheveux sans problème. Si tu as les bons produits, tu mets tes produits, tes cheveux vont pousser sans problème. Tes cheveux ne sont pas vilains, c'est juste que tu ne sais pas t'en occuper. Et pour savoir t'en occuper, il faut avoir les bonnes informations. Donc moi, je te donne les informations, je te donne les produits, je te donne les clés. Et aujourd'hui, en fait, si après ça, tu veux défriser ou tu veux faire autre chose, tu as le droit. Mais au moins, tu ne diras pas que c'est parce que tu n'avais pas l'information, que c'est parce que tu n'avais pas accès aux choses, en fait. Aujourd'hui, chacun est maître de son destin, mais il faut que tu saches que c'est possible. C'est moi, en fait, c'est ça mon combat, en fait. C'est montrer que c'est tout à fait possible d'avoir les cheveux afro et qu'ils peuvent tout à fait être beaux, quoi. Et J'ai vu là, là. attends, il y a une question qui Oui. je vais la question qui se pose, c'est si elle dit Nathalie. Bonsoir Charline, pour commencer, Mbolo. Ouais, elle dit, tu fais des produits handmade, quels Alors sont non, qu'elle a arrêté de tous tes les produits. produits ne sont pas handmade parce qu'ils sont fabriqués en laboratoire. Parce que en fait, les produits capillaires, il y a beaucoup de gens qui font du handmade, mais il faut quand même savoir que ce sont des produits qui vont toucher ton cuir chevelu, tes cheveux, ton corps. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement important de confier ça à des professionnels dont c'est le métier et qui savent ce qu'ils font. Donc moi, j'ai fait le choix de les confier à un laboratoire ici en France. La particularité des produits, c'est qu'ils ne contiennent aucun ingrédient chimique, donc pas de silicone, pas de sulfate, pas d'ammonium quaternaire, pas de parabène, rien, rien, rien de nocif. Ce sont vraiment des produits qui sont conçus pour nos types de cheveux, qui sont riches en beurre, en huile, en vitamines, enfin, tout ce qui est bon pour nos cheveux et qui ne contiennent rien de nocif. Donc c'est vraiment la particularité, c'est une gamme de produits spécialement conçus pour nous, par quelqu'un, donc par moi, qui accorde beaucoup d'importance au bien-être et à la santé, quoi.
Et la prochaine question qu'elle a posée, elle dit, quelles sont les particularités de chaque produit que tu as présenté? Alors, la particularité de chaque produit, du coup, c'est en fait les produits sont complémentaires. Donc, il y a un shampoing qui va vraiment permettre de débarrasser le cuir chevelu de toutes les impuretés. Parce qu'en général, on met beaucoup de beurre de karité, etc., sur nos cheveux. Donc, il y a en général un amas de beurre sur le cuir chevelu. Et quand on a un cuir chevelu obstrué, les cheveux ne peuvent pas pousser. Ça va créer des plaques, ça va créer des pellicules, ça va créer des démangeaisons et ça peut même créer des problèmes encore plus graves. Ensuite, il y a l'après-shampoing qui va permettre de démêler les cheveux. Donc, de démêler vraiment efficacement, hein, mais sans silicone, sans parabène, sans rien de néfaste. C'est vraiment un après-shampoing efficace, même quand on en met un peu, parce que je sais que souvent, on en met beaucoup. Il y a le masque, qui est un masque riche, donc qui sent super bon. Qui est un masque riche pour nourrir vraiment en profondeur le cheveu, le permettre, enfin, lui permettre de se régénérer, d'absorber le maximum des beurres. Donc, les produits contiennent de l'huile de baobab, parce que c'est un ingrédient qui est très, très, très riche et très bien pour nos cheveux. Et du coup, le tout nouveau qui est sorti il y a 2 semaines, non, même pas une semaine, c'est le leave-in. Donc, c'est une crème que vous pouvez utiliser pour coiffer, pour définir les boucles, pour hydrater au quotidien. C'est une crème à base, enfin, c'est un lait à base d'aloe vera, donc qui hydrate très bien nos cheveux. Merci pour cette présentation. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que tu as constaté qu'il y avait un problème. Au lieu de plaindre, de te plaindre, tu as dit, moi, je vais devenir la solution de ce problème. C'est tout à fait ça. Je trouve que se plaindre, il faut se plaindre, il faut montrer ce qui ne va pas. Mais je trouve que quand on est en position de pouvoir apporter une réponse, il faut le faire. Il ne faut pas rester dans la position de victime en se disant oui, mais voilà, c'est comme ça. Nous, on ne peut pas montrer nos cheveux dans la société. Personne n'aime nos cheveux. On n'a même pas les bons produits. On ne sait même pas comment les entretenir. Oui, c'est vrai. Oui, on n'est pas assez représenté. Oui, on n'est pas montré dans les magazines. Oui, les stars noires n'ont pas encore toutes leurs cheveux naturels. Mais il faut que ça commence à l'intérieur. Il faut que nous-mêmes, on soit le changement qu'on a envie de voir. Moi, aujourd'hui, j'ai une fille qui a 2 ans. J'ai pas envie de lui montrer qu'en fait, tous les jours, je mets une perruque sur ma tête et de lui dire après, oui, mais toi, il faut que tu aimes tes cheveux. Non. Si elle me voit tous les jours en perruque ou en tissage, elle va se dire que c'est ça qui est normal. Donc moi, je veux montrer à ma fille. Aujourd'hui, je vous dis quelque chose. Aujourd'hui, juste avant l'interview, j'ai mis mon foulard. Elle m'a dit, maman est belle. Oh, j'ai dit, franchement, j'étais trop contente. Parce que ça montre que, en tout cas ici en France, les gens qui ont le foulard, on les catégorise, ils ont horreur de ça, etc. Et ça montre que ma fille, aujourd'hui à 2 ans, elle sait déjà qu'on peut avoir un foulard et qu'on peut être belle. Donc c'est ce genre de message que moi j'ai envie de faire passer, c'est que il faut se plaindre, il faut manifester quand ça ne va pas. Mais après avoir manifesté, il faut qu'on rentre chez nous et qu'on puisse se regarder en face et se dire, j'ai fait ma part. Aujourd'hui, j'ai les cheveux, j'ai eu mon afro, j'ai montré à ma fille que je peux sortir en afro, que c'est beau. Il faut faire sa part, en fait. Si chacun fait sa part, on va déjà avancer. On va déjà très bien avancer. Merci beaucoup de dire ce que tu viens de dire. C'est pour ça qu'on a créé cette chaîne. Parce Oui. qu'à un certain niveau, il faut que les gens comprennent que chacun d'abord a des qualités. Chacun a un problème il ou elle a constaté que eux-mêmes sont capables d'apporter la solution. Et j'aime très bien ton cheminement. Pourquoi? Parce que honnêtement, tu nous montres des choses, c'est beau, voilà, j'ai créé ceci, je fais cela. Mais sur le plan financier même, c'est beaucoup, ça prend beaucoup de toi, Ah d'énergie. oui, tout à fait. Tout à fait. Vas-y, vas-y, désolé, vas-y. Non, vas-y, 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 je te laisse terminer après. Pour lancer un livre, par exemple, le processus pour lancer un livre, ça ressemble à quoi? Alors, Rapidement. pour lancer le premier livre, justement, j'ai fait une campagne de crowdfunding. Donc, le crowdfunding, j'ai mis en prévente le livre. Donc, j'ai eu l'idée et j'ai présenté aux gens. À l'époque, c'était en 2016, donc j'étais, comme je t'ai dit, au chômage. Donc, évidemment, je n'avais pas de quoi imprimer un livre. Et j'ai dit aux gens, en fait, sur une plateforme, on peut d'ailleurs retrouver même sur Internet cette plateforme, elle existe encore. Et j'ai dit aux gens, moi, voilà mon idée. Je me suis rendu compte, moi, Nathalie, aujourd'hui, à l'époque, j'avais 2016, j'avais 24 ans. J'ai dit, je me suis rendu compte de ce problème. J'ai du mal à entretenir mes cheveux. Je sais qu'ils ont du potentiel, mais du coup, je n'ai pas trouvé les informations.
je me suis rendu compte, on a un manque dans la communauté. Je vous propose ce livre. Moi, ce livre, je vous le propose. Voilà. Il va coûter 15 euros. Mais par contre, moi, je n'ai pas d'argent. Est-ce que le livre vous intéresse? Si le livre vous intéresse, vous précommandez le livre. Ça veut dire que les gens, ils achètent avant de recevoir. Ils ont acheté un mois avant et je leur ai dit, vous me faites confiance. Moi, je vous dis, vous précommandez le livre. Et quand j'ai atteint un certain nombre, une certaine somme, donc à l'époque, je crois que je demandais 4000 euros. Ça couvrait les frais d'impression, les petits frais annexes, etc., les emballages et tout et tout. Je faisais aucun bénéfice à l'époque. Hein. C'était vraiment, je faisais pas du bénéfice. Mais c'était pour lancer le projet. C'était pour demander aux gens si ça les intéressait. Et les gens ont tout de suite adhéré, en fait. Les gens se sont dit, mais oui, en fait, on a besoin de ce livre. C'est quelque chose dont on a besoin. Il est illustré. Ça va plaire aux enfants. Ça va plaire à ma sœur. Je connais quelqu'un qui en a besoin, etc. Et ils ont adhéré. Et donc, l'objectif, c'était 4000 euros. Et en fait, on a eu 5000 euros. Donc, j'ai eu 1000 euros de plus. On a eu plus que ce dont on avait besoin pour l'impression. Et en fait, c'est comme ça que ça, c'est parti. Donc, sur la première impression, je n'ai pas fait de bénéfice. Je suis transparente avec toi, je te le dis aujourd'hui. Mais ensuite, du coup, les prochaines impressions m'ont permis de faire du bénéfice, de générer de l'argent, de me rémunérer sur ce travail, etc. C'est pour ça qu'à la base, c'était pas du tout quelque chose de calculé. C'était pas quelque chose où je me suis dit, ouais, je vais me faire de l'argent. C'était juste, moi, j'ai trouvé que j'avais pas forcément la solution, mais j'avais une part de solution, en fait. Et je me suis dit, bah, écoutez, je vous propose ça. Si ça vous intéresse, on y va. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Je garde mon livre pour moi. Et puis bon, voilà. On verra. Très, très belle stratégie. Ça montre exactement que quand on veut se lancer dans un projet, on doit être créatif. Totalement. Créatif. Totalement. Et d'habitude, c'est comme le profit ne vient pas immédiatement. Non. Je dirais même plus, en fait. Je dirais même que quand on commence un business, et quand on commence, parce qu'après, le profit, c'est la base. Après, il faut se faire de l'argent, on est d'accord. Mais quand on commence un business, il ne faut pas chercher à faire du profit. Il faut chercher à résoudre un problème. Il faut chercher à résoudre le problème des personnes qui sont en face de soi. Si tu résous un problème, si tu résous le problème de quelqu'un, il va te donner son argent parce qu'il va être d'accord avec toi. Mais si tu viens en te disant, ouais, mais comment je vais me faire de l'argent? Le gars, en face, le client, il le sent, il se dit, ouais, elle veut juste faire de l'argent, ça se voit qu'elle n'est pas honnête. Alors que si tu viens et que tu lui demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'il te faut? Là, la personne en face, elle te parle, elle te dit, ouais, mais moi, je n'arrive pas à entretenir mes cheveux. Moi, je ne sais pas quelle crème utiliser. Moi, je ne sais pas quel shampoing mettre. Est-ce que tu as une solution? Et là, tu donnes ta solution. Tu dis, oui, moi, ma solution, c'est ça. Est-ce que tu es prêt à payer pour ça? Et après avoir expliqué, en fait, à la personne en face ce que toi, tu vas lui apporter, là, elle est prête, elle te donne son argent. Franchement, elle te donne. Elle te donne, en fait. C'est ça. La personne, parce que tu as résolu son problème. Tu as apporté de la valeur, c'est ça. Oui. Tu as apporté de la valeur. Tu as apporté de la valeur. Et la personne elle-même, elle valorise ce que tu lui as apporté parce qu'elle se rend compte qu'en fait, avant que tu lui en parles et maintenant, il y a une différence dans sa vie, en fait. Elle a amélioré un aspect, elle a amélioré quelque chose et ça lui permet de se dire, bah oui, en fait, cette fille-là ou ce monsieur-là, il m'a apporté quelque chose. Donc, ça mérite, tout travail mérite salaire. Donc, la prochaine fois qu'il faut payer, je paierai. C'est normal, en fait. Honnêtement, hein, toi, tu as quelque chose. Vraiment. Personne ne t'a appris ça à l'école. Non. Où est-ce que j'aurais bien aimé, mais non. Où est-ce que tu as appris cette manière d'attaquer les projets, d'attaquer la vie, de ne pas te faire, intimider par tes ambitions? Où? Comment? Honnêtement, je ne sais pas. Hein. Je sais pas. Peut-être que c'est un trait de caractère. Peut-être que c'est. Je pense qu'il y a beaucoup de traits de caractère dedans. Il y a quelque chose que je vais pas mentir. C'est pas quelque chose que je travaille ou que je. Tu vois, je pense qu'il y a une part quand même qui est génétique ou héréditaire. J'en sais rien. Quelque chose qui est inné que je ne travaille pas. Mais il y a beaucoup aussi de. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste et de positif dans ce que je fais. Je me dis toujours, j'ai envie de faire ça. Première question, est-ce que là, aujourd'hui, je peux le faire? Si je ne peux pas le faire, qu'est-ce qui me manque pour le faire? Je liste ce qui me manque. Bon, en général, c'est l'argent. Quand c'est l'argent qui manque, on met de côté ou on voit comment on peut financer. Par exemple, le livre,
Je ne savais pas comment j'allais le financer, mais je me suis dit, il me manque l'argent, mais il y a ce système-là qui peut être bien. Donc, si ce n'est que deux ou trois choses qui te manquent, tu les listes et tu vois comment tu peux cocher des cases. Moi, je pars toujours de là. Et en fait, je me dis, une fois que j'ai coché deux, trois cases sur cinq ou dix, quand il y en a au moins deux, trois déjà, je me dis, ouais, bon, là, je peux commencer à réfléchir, je peux me lancer. Et ensuite, je me dis, bon, je vais lancer ce projet. Mais au pire des cas, si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce que ça va faire en fait? Qu'est-ce que ça va m'enlever si jamais ça ne marche pas? Rien en général. En général, ça ne t'enlève rien. À la limite, tu as perdu un peu de temps. À la limite, ça t'a pris un peu d'énergie. Si tu as été malin, normalement, tu n'as pas perdu trop d'argent parce que tu ne te mouilles pas comme ça dès le début. Il faut voir quand même la tendance. Voilà. Donc, en général, tu ne perds pas grand-chose en fait. C'est juste que la plupart des gens, et moi-même aussi peut-être à une époque, tu te limites parce que tu te dis « Ouais, mais bon, ça ne va pas marcher. Ouais, les gens ne vont pas adhérer. Ouais, ça ne va pas. » Mais en fait, ce n'est pas grave. Tu essayes, tu vois. Si jamais ça ne marche pas, tu auras forcément appris des choses dans le processus. Tu auras forcément acquis des connaissances. Tu auras développé des relations. Tu auras pris l'habitude. Tu auras développé une méthode, en fait. Et même si tu te trompes aujourd'hui, demain, tu vas réessayer et tu vas faire mieux. Et la prochaine fois, ça va marcher, en fait. Il faut bien calculer son coût au début, mais il faut aussi apprendre à se lancer au bout d'un moment parce qu'on ne peut pas rester dans les projets toute la vie à réfléchir, ouais, bon, A, B, C. Tu vas commencer à compter les lettres, tu n'es même pas encore arrivé à F ou G, tu es déjà fatigué. Non, au bout d'un moment, tu calcules bien ton coût et tu te lances. Si jamais tu te trompes, ce n'est pas grave, ce n'est pas dramatique en fait. Et surtout quand tu es encore jeune, parce que moi, quand je regarde vraiment ton parcours, c'est pour ça que j'aime ton histoire et j'aime ton parcours. Tu avais 24 ans. Ouais. 24 ans. Il y a des gens ici dehors. Ils ont 30 ans, 35 ans, 40 ans. Ils ont toutes les expériences du monde. Ils ont la sagesse du monde. Ils ont fait des boîtes. Ils ont eu des connaissances. Ils ont encore peur. Ouais. J'avais 24 ans, tu t'es dit, tu sais, je me lance, je résous un problème. Et honnêtement, le plus tôt tu commences, le plus facile ça devient. Au fait, ça devient exactement naturel et ça devient quasiment même seconde nature maintenant. Totalement. Ça devient toi, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on me demande, oui, mais où est-ce que tu trouves le courage de te lancer, en fait, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est quelque chose qui est devenu inné, en fait. Je ne vais pas dire que je n'ai pas peur. Évidemment que j'ai peur. Là, j'ai lancé mon living il y a une semaine. Les dernières semaines, c'était le rush, j'étais fatiguée, etc. Mais en fait, tu relativises parce que tu te dis que au pire des cas, ça devient inné. Tu te dis, en fait, tu as essayé une fois, deux fois, trois fois, et puis ça devient un automatisme, ça devient normal. Moi, je pense que vraiment, alors moi, je ne suis pas de ceux qui prônent absolument l'entrepreneuriat parce que je pense qu'on peut très bien réussir dans le salariat aussi. Si on est smart et qu'on réussit bien, on peut tout à fait réussir. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on inculque à nos jeunes. Moi, aujourd'hui, j'ai une fille. Et l'une des choses que je vais lui inculquer, ça va être de mettre la main à la pâte très vite. Faire des stages. Se mettre au contact du monde professionnel rapidement. Identifier les problèmes. Proposer des solutions. Aller dans le concret tout de suite, en fait. Le plus tôt sera le mieux. The sooner, the better. Parce que plus tu commences vite, plus ton esprit est frais, en fait. Ton esprit est vif, ton esprit est éveillé. Et tu as encore les automatismes de la jeunesse, là, tu vois, tu es fougueux, en fait. Donc, tu as les idées qui fusent, tu as la motivation, tu as la pêche et tu as envie de résoudre le problème vite. Mm-hmm. Alors que quand tu commences à 40 ans, tu peux aussi commencer à 40 ans et réussir. Mais quand tu commences à 40 ans, en général, tu as deux, trois enfants, tu as ta famille, tu as l'emploi, tu as une maison peut-être à payer, tu as une voiture, il y a le carburant, il y a la panne là, il y a le truc, machin. Tu as déjà beaucoup de problématiques à gérer. Et du coup, résoudre le problème de quelqu'un qui n'arrive pas à peigner ses cheveux, vraiment, tu vas essayer. Tu vas essayer, mais ça ne va pas être pareil, en fait. Tout à fait. Tu ne vas pas avoir le même entrain à le faire. L'entrepreneuriat, en fait, on dirait que c'est un jeu. Soit c'est un jeu de jeunes, soit c'est un jeu de personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont un suivi, ou des personnes où les enfants sont plus âgés.
Comme ça, au Oui. moins, ce, le Oui. fardeau, parce qu'il faut, il faut comprendre l'équation, enfant, depuis que tu as eu ta fille, Oui. c'est pas la même chose quand même. Absolument pas. Honnêtement, si je devais écrire le livre aujourd'hui, bah ça me prendrait 10 ans, quoi. Ça me prendrait un temps fou à le faire parce que j'ai pas le temps. Aujourd'hui, je m'occupe de ma fille, je rentre. J'ai pas le temps d'écrire, j'ai pas le temps de. Aujourd'hui, je réussis à le faire parce que ce sont des choses, c'est un processus que j'ai déjà lancé. Donc aujourd'hui, je gère les commandes, je gère les clients, je gère les fournisseurs, je gère l'imprimeur. Ce sont des choses qui sont déjà, entre guillemets, automatisées. Mais si je devais lancer ce projet aujourd'hui, ça me prendrait un temps fou et je ne sais même pas comment je le lancerais, quoi. Merci beaucoup. Il y a les jeunes qui écoutent, hein. Il y a beaucoup de jeunes qui écoutent ici. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vraiment, vraiment, prenez des notes. Et pour ceux qui me parlent, je te parle, je vous parle à vous qui écoutez. Lancez-vous. Et prenez, tirez des leçons. Peu importe, même si c'est que tu te lances aujourd'hui à 24 ans et que tu échoues, parce qu'au fait, l'échec, ça n'existe pas. Tu échoues. Après t'avoir donné pendant 2-3 ans, tu auras 27 ans encore. T'es encore jeune. Et surtout, tu auras appris des choses. Alors moi, je ne dis pas qu'il faut mettre son argent tout de suite. Hein. Si tu n'es pas sûr, tu mets pas trop d'argent parce que franchement, l'argent à perdre, là, on n'est pas là Oui, pour perdre de l'argent. c'est Mais il vrai. faut se lancer, il faut bien calculer son coût. Tu fais une petite étude de marché, même pas un truc poussé, et tu vois si vraiment ça peut marcher. Et tu te lances. Tu fais une petite étape, tu vois si ça marche. Si ça marche pas, tu ajustes le tir. Tu réessaies, tu ajustes. Il faut pas aussi abandonner au premier coup. Ça marche pas, tu réfléchis, ouais, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Tu réessaies. Et comme ça, à tâtons, tu vas voir un petit peu comment le marché répond, ce que tu peux apporter, la plus-value. Il faut savoir se différencier aussi de la concurrence. Il y a beaucoup de concurrence. Moi, je n'ai pas peur de la concurrence parce que je trouve que la concurrence, c'est une richesse. C'est quelque chose qui te permet de te challenger, de te montrer ce que toi, en quoi tu peux te différencier, en quoi tu as une valeur ajoutée. Donc, tu regardes la concurrence, tu vois ce qu'elle fait, mais qu'est-ce que moi je peux apporter en plus? Tu l'apportes. Et tu montres ta valeur ajoutée. Tu montres en quoi toi tu es différent. Tu montres en quoi toi ton produit est meilleur, ou en quoi il est complémentaire, ou en quoi ce que toi tu apportes aujourd'hui peut aider quelqu'un. Et si tu arrives à résoudre le problème d'une personne, 10 personnes, 100 personnes, franchement, tu as gagné en fait. Ton business, il est bon, quoi. Faut répondre à un besoin. Merci beaucoup, merci. Bon, je vois que le temps tire à sa fin, donc Oui. là, je vais passer à la dernière étape de l'interview. Je sais que j'ai dit que tu es entrepreneuse, ingénieure, auteur, on a déjà souligné toutes ces choses-là. Maintenant, apparemment aussi, tu voyages. Là, avec le Covid, je vais nulle part, hein, franchement. C'est comment dans le Ouais. sang pour les personnes qui voyagent là, pour vous les voyageuses et les voyageurs là, reste, c'est quoi un peu, qu'est-ce qui t'a poussé aussi à être intéressé au voyage? Parce qu'il y a des personnes qui ne vont jamais voyager, qui n'aiment pas voyager, mais pourquoi aimes-tu le voyage? Est-ce que ça ajoute quelque chose à ta vie et te complète? Peux-tu un peu parler plus Totalement. de toi? Totalement. Je suis vraiment une personne curieuse, en fait. J'aime apprendre de nouvelles choses, que ça soit des langues, que ça soit des recettes. Enfin, si vous allez même sur mon Instagram, vous allez voir, dernier confinement, j'ai testé une recette de pain, j'ai fait de la pizza. J'aime bien tester de nouvelles choses, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. J'aime bien, même les livres, tu vois, j'aime bien, je suis très curieuse. Donc, je pense que le voyage, c'est un moyen pour moi enfin, en tout cas à l'époque, hein, quand on pouvait voyager, jadis, il y a un an, c'était un moyen pour moi de vraiment de découvrir autre chose, de sortir un peu du quotidien, de sortir du train-train des chantiers, enfin, voilà, de s'évader, en fait, de faire autre chose, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Ça, c'est ta recette de pain que tu essayais ici. C'est ça. Ah, c'est ça, mais bon, ça. Ouais. OK. Ah, Ouais. c'est bon, ça. C'est bien d'être curieux. Honnêtement, ta curiosité, au fait, c'est ça qui te pousse à aller plus loin dans la vie, à t'adapter aussi, parce que À se réinventer, ouais, c'est c'est important. réinventer, et c'est ça qui est très important. Et tu es encore très jeune. Donc, vraiment, vraiment un parcours. La vie qui est devant toi, c'est une vie qui sera très riche, très, très riche. Merci. Honnêtement, ah, man, man, man. Et à ce moment, je reste comme ça, je dis, si je savais ce que je sais maintenant.
Quand j'avais, disons, 24 ans, 25 ans, l'entrepreneuriat, pour moi, c'était... Il ne fallait même pas me parler de l'entrepreneuriat. C'était jusqu'à peut-être 27 ans, 28 ans que je me suis dit, bon, hein, c'est un niveau-là, je ne peux plus dépendre trop de quelqu'un. Il faut que je crée mon propre destin. C'est là que j'ai commencé à être intéressé par l'entrepreneuriat. Ça fait 6 ans que je tâtonne autour de ça, honnêtement. Mais ça prend du temps pour changer de mentalité. Alors que toi, ouais, quand tu as commencé, tu t'es lancé, boum, 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 tu lances des projets, boum, boum, boum. C'est comme, j'ai l'impression que d'ici 5 ans là, tu auras quasiment toute une industrie à toi. Ah, Inch'Allah, que Dieu t'entende. on se refait la même interview dans 5 ans, on en reparle. Exactement. Et là, maintenant, pour clôturer l'interview, tu sais, moi, j'aime toujours, le dernier volet de l'interview, c'est vraiment... essayer de sensibiliser les cerveaux africains pour regarder vers l'Afrique. OK? Donc, tu sais où je pars avec. Présentement, on a ce problème de brain drain. OK? La fuite de cerveau, tout ce qu'on dit, la fuite de cerveau, malgré qu'il y a beaucoup de personnes en Afrique. Mais la moitié des Africains quittent l'Afrique et ne retournent plus. OK? Pour toi, dans ton cheminement, est-ce que tu te vois en train de créer quelque chose au Gabon, au Cameroun, en Afrique, pour essayer de passer cette connaissance ou même créer aussi une industrie là-bas, en Afrique? Totalement. Comme tu as fait ici. Totalement. Pour moi, en fait, là, aujourd'hui, je crée mes produits en laboratoire français parce que je vis en France et que c'est plus simple pour la logistique, c'est plus simple pour le suivi. C'est bien aussi de profiter d'être dans des pays... Enfin, la France est reconnue pour son savoir-faire dans les produits cosmétiques, donc c'est bien quand même d'avoir une expérience avec les laboratoires français. Mais clairement, à long terme, moi, mon avenir, il est en Afrique, quoi. Moi, je veux retourner en Afrique, je veux vivre en Afrique, je veux vivre au Gabon ou ailleurs, pourquoi pas. Et je veux effectivement ramener un peu du savoir que j'ai acquis ici et le développer au centuple et fois 1000 encore au Gabon, quoi. Donc, moi, c'est tout à fait mon projet. Merci beaucoup. C'est ça qu'on prône ici, honnêtement. Bâtissons-nous, investissons en nous. Et par exemple, comme ton expérience, comme ton histoire, tous ceux qui prennent des notes, sachez que vous êtes capable de vous lancer et proposer des solutions aux problèmes que vous constatez dans la société. Tout à fait. Bah, par exemple, typiquement, au Gabon et au Cameroun, je suppose que c'est pareil, on a tout le temps des problèmes. Tu es chez toi, le courant coupe. Ah. Tu es chez toi, il n'y a plus l'eau. Chez toi, la route est comme ci, le truc est comme ça, l'épicier à côté, il fait comme il veut. On a tous des problèmes, mais on a aussi tous des solutions. Mmh. On a tous des solutions, pas forcément en tant qu'individu, mais si on se regroupe à deux, trois, on peut apporter une mini-solution qui ne va pas révolutionner le pays. Mais tu commences par ta rue, après vous faites le quartier, après vous faites la ville, et c'est comme ça. En Afrique, le problème, c'est qu'on aime toujours parler de politique. Moi, je suis d'accord, on a un problème avec la politique en Afrique, mais moi, je suis fatiguée de parler de politique. Nous-mêmes, les citoyens, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce que nous, on fait? Est-ce qu'on prend nos responsabilités? Est-ce qu'on fait autant qu'on pourrait faire? Est-ce que vraiment, nous, les citoyens, on fait autant? Je sais qu'il y en a qui essayent, ça, je ne vais pas cracher dessus, il y en a qui essayent, mais on ne le fait pas tous. On ne le fait pas tous, malheureusement. Et si on le faisait tous un petit peu. Moi, je n'aime pas donner de leçons parce qu'on va me dire, ouais, mais tu es là-bas, tu vis en France, tu viens parler des choses ici, tu ne connais pas. Moi, j'ai vécu au Gabon jusqu'à mon bac. Hein. Je connais le Gabon. Le Gabon, c'est chez moi. Donc, quelqu'un ne va pas venir me dire que je ne connais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui sont dépendantes de la politique. Mais il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut faire nous-mêmes et qu'on ne fait pas forcément. Tout à fait. Il y a quelques petites choses qu'on pourrait apporter qui nous permettraient de nous développer un peu plus, même à petite échelle d'abord, pour aller ensuite vers une plus grosse échelle. Ouais. Je pense que c'est possible. Nathalie Evomo Esono. C'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? Avomo, ouais. Avomo Esono. Mm. Merci beaucoup pour cette entrevue de feu. Ici, je ne sais pas si tu vois le feu là dans les commentaires. Il y a les cœurs, il y a les feux, il y a tout, il y a les hand clap. Honnêtement, cette interview, je vais le regarder, comme on dit chez nous au Cameroun, bissé. Je vais bisser l'interview. Si j'ai pris les notes, hein. Pour ceux qui ne prennent pas les notes, c'est votre problème. J'ai pris deux pages de notes pendant qu'elle parlait. Merci beaucoup parce que merci à toi. Merci. C'est un privilège vraiment d'entendre une personne comme toi partager son parcours. C'est très inspirant et ça montre encore que
il y a des personnes parmi nous qui font des choses et qui ont des solutions. Et tu merci fais partie. Beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Ça, c'était un honneur pour moi d'être là. Comme je t'ai dit, je ne suis pas très, très, très à l'aise avec les lives. Ce n'est pas un format que j'aime beaucoup. Mais je trouve que pour le travail que vous faites, c'était nécessaire, en fait. Et quand tu m'as parlé de, tu m'as proposé d'être là, j'ai tout de suite accepté parce que le concept de la page, le concept est énorme, en fait. Merci. Montrer que c'est possible. Moi, j'adhère totalement à ce type de vision, à ce type de projet où on se booste, où on se motive, où on montre que c'est possible, où on se parle, en fait, comme ça, à cœur ouvert. Oui. Hier, tu vois, on a essayé de préparer l'interview. Après, on s'est dit non, on ne va pas préparer, on ne va pas se poser de questions. On se met demain, on se voit en live et puis on se pose des questions. C'est comme ça, en fait. Il faut échanger à chaud, il faut parler à cœur ouvert, il faut proposer ce qu'on a, en fait, comme solution. Et je pense que ce n'est que comme ça qu'on va avancer. On va avancer tous ensemble. Ouais. Donc, merci à toi, merci à vous, à ta femme aussi pour le travail que vous faites, pour l'image aussi de la Black Family, Black Love. Moi, je trouve ça très, très, très important. Honnêtement, je trouve ça très, très bien. Merci. Donc, continuez, quoi. Merci. Merci donc, beaucoup. On va finir avec alors la chanson, la même chanson qu'on a commencé. Ce qui a manqué là, là, on va danser maintenant. On va vraiment danser. On va danser. Tu peux rester backstage. On va mettre la chanson. S'il vous plaît, mettez les speakers parce que la chanson, si c'était puissant au début, c'était puissant au début. Donc, honnêtement, ça m'a donné la chair de poule. Merci tout le monde. Mettez le feu dans les commentaires. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. C'était génial. C'était trop bien. Merci beaucoup. À tout le monde, bonne soirée. Enjoy la musique, OK? I'm gonna make you mine.
pour les quatre nations sont à ma moto. Dans les manas de ciel, à mon bas. Thank you.